comme ça. Alors, non mais move pas Steam. Oh là. Alors, table 1, tu m'as mis quoi? Le Holdem table 12. Ok. NordVPN, c'est pas la peine de t'ouvrir. Je pense que le PC a du mal à résister à la chaleur. J'espère que ça va revenir. Alors, je vous affiche tout ça, hein, vous inquiétez pas. J'ai des mains quelque part? Oui, j'ai un Dame 2 à passer. Numéro 10. Des petits soucis techniques. Ouais, ça va être la pause. Eh bien, dis donc. T'aurais pas pu faire l'écran bleu 5 minutes après? As-9, on va fold sur le raise. Ça pose en plus. Eh ben, je remets la dernière table et puis je vais aller en pause. 180 max numéro 15. Est-ce qu'on a des tables différentes? Oui. Est-ce que l'on m'entend bien? Oui. Bon. Eh bien, dans ce cas, tout de suite pour la suite de cette session. À tout de suite.
Oula, je suis en retard. 7 et 9, on passe. Paire de 6, on raise. Oh, j'ai même pas remis la musique. Pardon. Pardon, ici, As-3, je pense que c'est un shove. Pour le bounty, notamment. Ouais. Je suis assez certain que c'est un shove. Alors. Restaurer. Et on se fait 3 bêtes par second bar. Oh, il a call As Valet. Il a call As Valet. On fait le 3 et on chatte pas, mais on split. On chatte moyennement. Mais je pense que c'est un push. Paire de 6 ici, on va call. Sur le 3 bêtes. Sur un petit C bet, on pourra call. Check, check. Valet turn. Pas une bonne nouvelle. On va préférer une bonne vieille brique, un 2, un 3, même un 8, un 9. Prends. Faut que c'est check. Il met un gros péchon turn. Le problème, c'est que le valet, il fait connecter pas mal de mains. Je pense que paire de 6 est un peu short pour continuer. Valet 9, on passe. Valet 10 en haut. De 6 en bas, on passe. Ça veut dire que du coup la vidéo va encore être en deux parties sur YouTube. Chiant. Valet 10, c'est ce qu'il faut défendre. Oui, probablement. Et rater le flop. Regardez par rapport au nombre de places payées notamment. Et du coup, l'ICM estimé. Enfin, l'ICM, le facteur bulle estimé, les effets ICM estimés. Je sais pas si c'est très clair. Roi 3, on passe. Cette position, c'est un fold. Est-ce qu'il faut défendre Dame 6 à ce moment-là du tournoi? Je pense que non. As-Dame et paire de 7. Attention, des jolies mains un peu partout. Oula. Roi 8, du coup, on va raise. fait que 2x. Par contre, on couvre. Et on couvre Jerry's Nugget, du coup, c'est ça qui va m'inciter à shove plutôt. On trace valet, ce coup-ci on est devant. Fait la dame. Allez, le bounty est pour nous. Roi 8 sur le 3-bet, on va fold. Paire de 7. Je vais 3-bet and call. Et vu qu'on est hors de poste, je vais 3-bet shove plutôt. Sur le raise devant, on a eu donc. Passer.
coup 52 cas sur le sud contre le reste du monde. Roi dame. Let's go. 6 et 10. Comment est-ce qu'on va jouer ça? Nymphfold. Ça me paraît pas trop mal comme idée. Fais le 10. On va checker. Et call. Déjà parce qu'on fait le 6 turn, donc ça aide. Deuxièmement parce qu'il est pas censé avoir des tonnes de d'ast normalement. Donc je vais tenter une mise. En théorie il est pas censé avoir une tonne d'as. Ici pardon, on va miser évidemment sur ce A6-7. Fait la dame turn. Est-ce qu'on a vraiment de la value avec cette dame turn? Je pense que oui. Pas miser trop cher à nouveau. River 5, il y a quelques draws qui sont rentrés, faire attention. Est-ce qu'on se value cut pas à miser comme ça? À miser re tout petit encore. Tente un petit peu d'exploiter une dame moins chère, un 7 qui aurait envie de call. Dame 10 de trèfle par exemple, ce genre de main. Je pense qu'avec le 5 river, notre range qui mise pas cher turn a envie de miser pas trop cher river. Pas fait très cher turn avec roi dame parce que je pense que j'ai envie, vu les profondeurs, j'avais plutôt envie d'avoir une range d'overbet si jamais je veux miser cher. Ici 9 et 5, on va pas défendre, même pour le bounty. Je pense que c'est un raise. Vu l'état des stacks. 4 et 3 ici, on va directement fold. Oula, flop très connecté. Qui touche bien notre range quand même, on va faire ça. Bon, du coup sur le raise on va fold. Dommage, on faisait la quinte backdoor. 5 et 2 ici, on va raise. Je pense qu'on a toujours envie d'avoir une range de raise. Encore. Et fold évidemment sur un shove. Roi 7, on passe. 5 et 10, on va passer. Dame 8. Passe. J'essaye de tout me remettre. Bien comme il faut. Conservatrice de stack. 5 et 2 on passe.
Ensuite, on va passer. Ah, du coup, avec le décalage, on a même perdu 5 minutes de contenu. Je viens de réaliser ça. Et je me pose la question. Je pense que vous avez raté tous mes double up. Je sais plus si on a vu sur le coup ici où j'ai fait As 3 pour. Je me rappelle plus, bref, c'est pas bien grave. 4 et 8, même avec le bounty, c'est chiant quoi. C'est vraiment trop léger, c'est chiant. Parce que je veux aller chercher son bounty là. Mais c'est vraiment trop trop léger. Si on se fait squeeze, on va fold. As 5, on va le laisser tranquille. 4 et 10, on passe. Dame 4, on va passer. Le Dame Valet en bas à gauche, évidemment, on va raise. Et qui trouve un flop pas trop mal. On va checker quand même parce que gros avantage de range, je pense, ici. Par contre, qu'est-ce qu'on fait si on s'est mis? Parce que le Valet va souvent être suffisant. On a quand même check call. Belle turn. Ici on va shove sur le limp avec As 2. Et là par contre faut commencer à prévoir le raise. Je pense que min raise suffit. Ouais, on va min raise. Roi 9 on passe. Craint pas grand chose. En plus même les piques craint pas trop. Dame 7, on va passer. Il y avait l'option de shove aussi pour mettre le. J'aurais peut-être pu shove d'ailleurs à la réflexion, c'était mieux. Je pense. Pour mettre le bounty dans la balance. Pour inciter à call plus facilement, mais. Que Vanneuil donc raise avec 11 big blind effectifs et on a paire de 6. 10 et 8 ici, on va pas défendre parce qu'on est. On commence à se rapprocher de la bulle, même si on n'a pas le stack Idoin pour aller jusque TM. Ici, le all-in va nous simplifier la tâche avec notre paire de 6. Je pense que ça devient un fold. Et Vanneuil donc a raise fold. C'est bon à savoir. J3, ça me paraît un poil trop fort pour check. Pour raise plutôt. 4 et 3, on va directement jeter. Si on a R, check. On va passe ici, on va passe également. Dame 9, on va jeter. Roi 4. Main sympathique. 7 et 2. Donnez-moi un début de truc. Si on se fait 3 bêtes, on va jeter.
ça fait 3 mètres par si j'avais su. Je pense qu'il faut jeter même roi 10. Bon, si je savais le flop, forcément. Non, mais je pense que c'est un fold. On colle beaucoup trop si on colle roi 10 off dans ce spot. Même s'il n'y a pas d'ICM encore qui rentre vraiment en ligne de compte. Mais je pense qu'on colle beaucoup beaucoup trop. Et 7, on passe à suite, on passe 3-5 au cutoff. On va passer aussi. Hein. On va passer As-Valet. Je pense que je préfère la jouer en all-in directement. Plutôt qu'en raise call. Et d'As est loin. Ok. Et changement de table. Plus que 60 left pour 28 payés. Par contre, je viens de trouver un très solide argument quand même pour malgré tout ne plus utiliser le tracker en Winamax. Donc, je pense que je vais peut-être retirer un petit peu d'argent de la roll pour remettre dans Xister pour une bonne raison, c'est que là j'ai eu un écran bleu tout à l'heure. Résultat, toutes les infos que je pouvais avoir, je les ai plus. Et mine de rien, à jouer les 180 max comme ça, il y a pas mal de joueurs qu'on recroise plusieurs fois. Qui permettrait d'avoir des infos. Donc je pense que je vais peut-être remettre. Alors ça m'embête parce que je préférerais en fait. La raison pour laquelle j'ai pas remis dans Xister, c'est que l'idée c'était quitte à en mettre dans un, j'aurais préféré un poker tracker ou un truc comme ça, parce que Xister, le truc qui m'embête vraiment, c'est que on ne peut pas faire d'analyse de field avec. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'analyse d'un joueur en particulier, mais prendre l'ensemble des joueurs d'une limite donnée, par exemple, pour analyser le field, vous pouvez pas. Le gros intérêt de faire ça, c'est d'adapter des stratégies pour par rapport au field que vous jouez. Typiquement, je sais pas, pré-flop. On va prendre l'exemple du préflop, je réfléchis juste avec ce A5, comment le jouer. All-in me paraît bien. Je n'ai pas envie de raise call. All-in c'est bien. C'est une belle main, de façon générale. Je disais donc l'intérêt. C'est d'analyser le field, par exemple, exemple typique, sur les tournois à 5€, vous prenez les stats normales, par exemple le GTO, 3 bêtes en moyenne, lorsqu'on est aux alentours entre 30 et 45 blindes, disons, même entre, on peut prendre un peu plus large, hein, mais pour l'exemple, entre 30 et 50 blindes, vous vous rendez compte que le GTO 3 bêtes en moyenne 10%. Je sais pas du tout les chiffres réels, mais c'est un exemple. Alors que j'avais 3 bêtes, cette paire de 9 pour value, et tenter d'aller au tapis face à T-Mac. Et vous regardez les stats et vous vous rendez compte que en moyenne, sur les 5€, vos adversaires 3 bêtes que 5%. Bah, l'idée ça va être de... Oula, je vais jamais fold sur lui et je pense que je peux plus fold du coup, donc on va gamble complet. Let's go contre As-Dame. Pour l'instant le flip qui tient, le flip qui tient, le flip qui tient pas. Et voilà.
on a pas eu une main pour jouer contre lui, et la main qu'on trouve, eh bien, on la perd, et résultat, il est devant nous, et on va se devoir batailler pour faire ITM désormais. 10 et 2, on passe. Roi 10, on passe. 10 et 2, on passe. Paire de 4. Raise fold. Raise fold. Raise call contre lui. Terrible. Terrible. Contre Jerry's Nuggets. Le flip qui passe pas et on se fait 3 bêtes derrière. Paire de 3. Non, un poil léger avec l'ICM en plus. Plutôt un fold qu'un shove. Alors à vérifier, ça se trouve Xister a fait une mise à jour. Désormais ce serait possible et... Du coup ce que je viens de dire serait complètement caduque. 8 et 9, je vais raise fold. Même à 12 blindes. Du coup, vu le flop, on va tout mettre en deux streets comme ça. Bon, normalement, on devrait pas être trop mal. Dame 3, on va passer. Allez, 17 big blindes. 180 max, ici ce serait bien de doubler quand même. On a récupéré la moitié du buy-in, mais si on pouvait aller chercher la moitié du buy-in en positif, on prendrait. Roi de off, on va pas défendre du tout à ce moment-là du tournoi. Et 5 à cette profondeur, j'ai envie d'avoir que des limps ou des shoves, je pense. Ouais, alors de toute façon, j'aurais jamais été un shove. Est-ce que si on avait raise, il aurait fait tapis? Je ne sais pas. Et si on voit le flop, on est très content. On va jeter, je pense que As2 faut jeter. Mon grand regret. Valet 3, on va jeter en haut à droite. Oh le 7. Si je pouvais éviter d'avoir besoin d'un blue screen pour chatter pendant 30 minutes, ce serait cool. 2 et 4 de pique, est-ce qu'il faut défendre? Je pense que oui. On fait le 4 et une éventuelle backdoor flush lointaine. Je pense qu'il faut défendre sur ce petit sizing. Turn un as, catastrophique. Quasiment plus d'as dans notre range. As 3. Tentant.
Roi de ici, je pense que c'est un chauve. Ouais, c'est souvent. Pas avoir complètement peur de la bulle puisqu'on n'est pas du tout en capacité pour l'instant de passer les 23 sortants restants. Du coup, S4 à nouveau. On va tout mettre au bouton. As-Dame sur le sud contre le reste du monde. À cette profondeur, je vais open shove. Plutôt que race call. D4, on va jeter. On a été payé avec notre As-4, aïe aïe aïe. Contre paire de 6, hélas. Qui nous sauve. J'ai attendu les dernières cartes, je voulais pas le dire tout de suite, ne pas de jinx. Et qui te permet de revenir à la moyenne. Le 30-70 qui fait du bien. Passe, roi 8 on passe, valet 3 on passe, le Tignou qui est vraiment pas verni là, qui vient de perdre 2,70-30 à la suite. Ah, As-2, je pense qu'il faut défendre. Je pense qu'on peut pas shove, mais je pense qu'il faut défendre. As-Valet ici, open shove, race fold. Race fold me paraît pas mal. Race call. As-2, on va pas défendre. As-2, on va pas faire grand chose avec ça. Ici, ce sera plutôt un race call désormais. Ouh. On va tenter de bluff. On peut avoir des 9 qu'on n'aurait pas attaqué éventuellement. 4 et 7, on va pas défendre. Valet 3, on va push pour cette profondeur là. Non, je pense qu'on a un poil. Il y a un poil trop. As-3. Et on trouve As-Roi sur le sud contre le reste du monde. As-8. Vu les profondeurs des deux joueurs, je pense que c'était un open push. Très clairement, As-3, on va passer. Hop, As-Roi, on va reshove par-dessus pour essayer d'aller chercher le bounty ici, notamment. Rédis en passe. As-3 qui fait deux paires incroyables. On va respecter le call de magie. Check. On perd de 6, allez. Ah, le 6 tout de suite. Dommage. Oh, et deux as derrière. Seulement on avait gagné le coup juste avant. Je fais tout petit, je pense qu'on va pouvoir check raise pas trop fort pour tout mettre turn. Ouais, parce que all-in avec les as en bas, évidemment. On va tout mettre sur cette turn, évidemment. C'est de se faire call par un as. Passe 10, c'est dommage. Deux paires contre deux paires sup. Allez, le double up en bas, mais deux paires contre deux paires sup. Je sais pas pourquoi, en plus j'ai la petite idée qu'il peut avoir As 10, mais bon. Alors voilà, on va pas commencer à jeter ça de toute façon. Roi 9. Roi 9. Joli setup. En tout cas, deux paires contre deux paires sup. Alors, qu'avons-nous?
comme tournoi de dispo. Le Showan paraît bien. As-Dame Open Shove. Ça me paraît bien.